Bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais faire des beignets de carnaval. Bon, alors, pour faire des beignets de carnaval, il faut, je vais prendre 3 œufs, de la crème fraîche, du sucre en poudre, de la farine et de la levure Alsace. Voilà, c'est tout simple. Bon, donc, c'est un pot de, que je vous dise pas de bêtises, 200, je vérifie quand même, de 50 centilitres. Donc je vais prendre 25 centilitres de crème fraîche, c'est-à-dire la moitié du pot. Voilà. Voilà, ça, c'est la matière grasse qui va remplacer le beurre qu'on met généralement dans les gâteaux. Voilà. Voilà. Un œuf. 2 œufs. 3 œufs. Bon. Je vais mettre 3 grosses cuillères. Voilà, un petit peu. Et je vais commencer par tourner avec une cuillère en bois. En fait, le but, c'est de faire une pâte. Donc, on commence par mélanger les ingrédients liquides. Donc je vais rajouter un paquet d'Alsace, la levure de la levure chimique. Voilà. Et pour faire ma pâte, petit à petit, je vais intégrer ma farine. En fait, on met de la farine jusqu'à ce que la pâte soit bonne à rouler avec un rouleau à pâtisserie.
Cette pâte, je vais la finir sur la table. Pour le moment, elle colle au doigt. Voilà. Et je vais la travailler jusqu'à ce qu'elle ne colle plus du tout au doigt. Et après, je la laisserai reposer une demi-heure. Bon, voilà. Donc maintenant, en fait, c'est tout simple. On va la travailler sur la table. Comme ça, en la travaillant, on fait rentrer ce qu'il faut de farine et pas trop. Et on voit bien quand ça colle comme ça sur la table, ça veut dire qu'elle est, elle est encore trop molle. On va le sentir à un moment donné, elle ne collera plus du tout. Ça voudra dire que la farine est suffisante et que la pâte est bonne à passer à la friture une fois reposée. Colle encore, donc voilà, quand on la touche comme ça, elle est collante encore, on voit bien. Donc il faut continuer à la travailler. Alors, dans la pâte, on peut mettre soit du zeste de citron pour agrémenter le goût, soit mettre de l'eau de fleur d'oranger, c'est ce qu'on met en Franche-Comté. Il y a beaucoup de gâteaux qui sont faits dans lesquels on met de la fleur d'oranger qu'on trouve facilement. Moi, j'ai rien mis parce que le goût du citron, ici, comme il y a des enfants, c'est pas sûr qu'ils aiment, et la fleur d'oranger, c'est un goût un peu particulier, donc je les ai fait absolument sans rien là. Mais quand j'aurais pu mettre soit du citron haché, du zeste de citron, hein, pas du citron, le zeste du citron haché. Bon, là on voit bien la différence de la pâte, elle commence à ne plus coller du tout au doigt. Quand on appuie dedans, les mains sortent propres. Voilà, donc on va redonner encore un petit tour. Là, on est au bout. Et puis après, on va la laisser se reposer une demi-heure. Et puis, c'est pas la peine de la mettre ni au chaud, ni. Voilà. Voilà, là, on va la laisser se reposer une demi-heure sur la table, comme ça. On a une belle boule. Et tout à l'heure, on va faire les. On va la découper et la passer à la friture. Voilà. Pour le moment, on la laisse se reposer. On reprendra tout à l'heure. On reprend. Donc, j'ai partagé ma pâte. Je vais la partager en quatre. Voilà. On voit bien qu'elle est. Bon, je vais faire donc un petit bâton. Comme ça. Je vais aplatir. Avec toujours
petit peu de farine. Donc un rouleau à pâtisserie, une petite roulette, et j'ai mis chauffer ma bassine à friture avec de l'huile. Donc voilà, et je vais préparer mes beignets. Alors pourquoi je la coupe en quatre? C'est pas par fantaisie, c'est simplement parce que c'est plus simple à découper. Voilà, donc là, on va faire ce qu'on a envie de faire. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ça permet d'ouvrir au milieu le beignet. Et puis, c'est pas la peine de faire des choses régulières, hein. L'important, il ne faut pas les faire trop petits parce que sinon, c'est riquiqui. Voilà. Donc, voilà un. Et je vais faire les mêmes. Je vais faire la même chose avec le deuxième bâton. Je vais surveiller mon huile. Il faut bien la surveiller. Il ne faut pas que ce soit quand même de l'huile. Il ne faut pas qu'elle brûle l'huile. Hein. Il faut faire attention. Donc quand on voit que l'huile est trop chaude, quand on fait les beignets, si l'huile est trop chaude, il faut baisser le feu sous l'huile pour pas que... Voilà. Alors là, on va s'amuser un petit peu à autre chose. Voilà, hop, encore un, et là je vais m'amuser, je vais découper ça, et je le mettrai dans, voilà, je vais passer un morceau dans l'autre, et je vais le cuire comme ça, voilà, pour donner d'autres formes. Voilà, on va les cuire les uns dans les autres comme ça. Voilà. Bon, alors on va essayer de voir si l'huile est assez chaude. Non, là, elle n'est pas assez chaude. Alors, je vais le mettre quand même pour montrer. Voilà. Là, on voit qu'elle n'est pas... il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus chaude. Donc, il va monter. Alors, voilà. Le beignet, il va remonter à la surface. Et c'est là où il va se cuire. Mais normalement, il ne devrait pas descendre jusqu'au bout. C'est parce que ma friture n'est pas suffisamment chaude. Là, on voit bien. Là, il va gonfler. Hein. Voilà, on voit bien qu'il gonfle le... Et il faut bien les surveiller parce qu'il faut qu'ils soient, il faut qu'ils gonflent, il faut qu'ils cuisent, mais il ne faut pas qu'ils brûlent. Donc, il faut absolument bien les surveiller. Voilà. Donc, moi, je vais prendre un torchon. Mais l'huile, elle continue à chauffer, là, ça va être bon. Ce sera plus... Puis, je ne veux pas les mettre sur le grand feu, ce serait trop... Il faut faire attention, quoi, c'est pas... Et on voit bien que l'huile est chaude, parce que le beignet, il remonte à la surface.
Voilà. C'est là où on voit que l'huile commence à être bien chaude. Voilà, là il est cuit. On voit bien, il y a une petite couleur dorée sur les deux tranches, sur les deux côtés. Là il est cuit et on va le mettre là, il va y goûter. On va mettre les autres. Voilà. Alors on peut mettre plusieurs en même temps. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Et ça va cuire tout doucement. Et on voit bien qu'ils vont être tout bons parce que tu vois, voilà, ils gonflent bien. Un beignet, ça doit être léger, ça doit pas être une masse qui vous colle au palais, qui. C'est un beignet qu'on fait, c'est pas un étouffe chrétien. Alors là, mon huile commence à devenir un peu trop chaude, donc je vais baisser un peu mon huile. Parce que là, c'est bon, elle est à la bonne température, d'ailleurs on le voit bien. Si je retourne mes beignets, ils sont cuits vite. Le beignet, ça cuit. Il faut faire bien surveiller, ça cuit. C'est vraiment quelque chose qui cuit rapidement, c'est pas fait pour traîner dans l'huile pendant. Voilà. Ma Paulette doit en avoir, hein, de toute façon, du sucre glace. Voilà. Moi, j'irai chercher du sucre glace chez Paulette. Ouais. Voilà. Bon, les beignets sont finis là. Et en fait, il y a juste à les mettre avec du sucre glace ou du sucre normal. Bon, on peut les manger avec de la confiture, on peut les manger avec une crème, on peut les manger avec ce qu'on veut. Faut pas que ce soit trop fond, trop machiné, tu vois.